Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Vous avez pris le rendez-vous pour la revue des titres de ce jour. Bienvenue à vous. La Nation, pour commencer, affiche à sa une campagne médiatique des législatives 2023, la HAC pour une gestion optimale. Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications, Doreen Bogdan-Martin, première femme élue. La primeur à présent, occupation du champ politique par les partis politiques BR et UP Le Renouveau, deux frères ennemis dans la même cour, et décès de Michel Dalméda, toute la diaspora béninoise attristée. Retrouvons Matin Libre qui libère en manchette, législation de l'avortement au Bénin entre grief contre l'IVG et lueur d'espoir. Décryptage info commerce au Bénin, le DG douane Ekati recruse toute augmentation de prix des produits de première nécessité. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togbin, le processus d'indemnisation a démarré, tout savoir sur le dépôt des dossiers. Nous sommes avec le quotidien Le Potentiel qui placarde noir sur blanc, trafic du CIP et établissement de faux passeports, 9 personnes en prison, des agents de l'ANIP arrêtés. Un autre titre sur le même quotidien, révision de la loi sur le droit de grève au profit des secteurs aériens, maritimes et hydrocarbures. Talon sollicite le législateur pour un nouvel encadrement. Émergence info, position des États-Unis sur les législatives de 2023 au Bénin, la participation effective de l'opposition souhaitée. Stop et fin de la une des journaux de ce vendredi 30 septembre 2022. Retenons ceci, chers amis téléspectateurs, une citation de Xavier Dolan, je cite, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à chacun et à tous.